Eh bien, salut à tous les amis, c'est Meladis et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car je suis allé dans une ville. Je suis allé à Toys R Us et j'ai trouvé cette magnifique merveille. Donc, c'est une Porsche 911 GT3 Coupe de chez Playmobil. Donc, on va monter ça ensemble, c'est spécial et rare, on va dire. Donc, là on a toute la Porsche avec le monsieur, enfin le manager. On va dire, et derrière on a tout ça. Donc j'ai préparé les ciseaux, tournevis et pile. Commencer parce que sinon on va pas pouvoir monter. Donc on a la Porsche, un casque, et un siège et des trucs. Et on verra ça ensemble. Donc elle ne sera pas montée, enfin on la montrera mais on la présentera pas. Donc cette boîte, si vous voulez, la référence est 9225. Profitez-en. Donc, je l'ai eu à 20 euros moins cher que dans le commerce, tout simplement. Et du coup, on va pas la présenter et enfin, on va pas la présenter et on va la construire ensemble. Voilà. Donc là, nous avons la Porsche. Alors là, il y a des choses qui sont déjà implémentées. Donc, comme vous pouvez voir, il y a ça qui s'enlève. Donc, elle est toute neuve. J'en profite. Donc après, on range ça comme ça. Ouais, comme ça. Voilà, donc l'arrière, enfin le toit, il est assez dur à enlever. Donc il va falloir tout monter. Donc pendant la vidéo, il y aura des moments où je ne pourrai pas filmer car j'aurai besoin d'aide parce que les rétros, je galère énormément à les mettre. Donc là, si personne n'a jamais fait gaffe, à l'arrière, on peut mettre l'aileron. Sauf que si on ne veut pas mettre l'aileron, ça peut s'ouvrir, bien sûr. Enfin, normalement, c'est pas logique. Voilà. Donc, le toit, il est dur à ouvrir. Voilà. Il est dur à ouvrir. Donc, on a l'intérieur, voilà. Je sais pas s'il y aura des choses. Normalement, il y a des choses à monter dedans. Donc, on va commencer par ouvrir un peu tout, voir sortir un peu tout ça. Donc, je suis allé voir vite fait dans la boîte. Donc, mode d'emploi, autocollant et quelques bazars. Le truc du stand, si je vais regarder quand même après. Voilà, donc on a les pneus. Bon, ça, les pneus, c'est toujours comme d'hab. On a ça, on a ça aussi. Voilà, on a ça, et voilà, on va faire ça à l'arrache. Et la petite boîte, enfin, la petite boîte heureuse pour mettre les piles. Donc, alors, par contre, il n'y a pas de truc rouge. Je crois que c'est de. Ouais, c'est dans la poche, je fais tout en dessous. Enfin, vous verrez bien. Donc, il y a plein de bordel, voilà, comme vous l'aurez vu. Donc, la poche, vous pouvez voir, on va mettre ça comme fond d'écran, voilà. Ouais, là c'est bien comme fond d'écran. Donc, on va un peu tout ouvrir, on va voir ce que ça donne. Alors, par contre, il n'est pas ouvert. On va prendre le ciseau, voilà, le ciseau magique. Normalement, ça coupe pas, voilà, on était sûr. On va faire un trou dedans, on va ouvrir. Voilà, le petit trou, il va nous aider. Voilà. Et nickel. Voilà, tout le bordel qui tombe. Wouhou! Bon. Il y a le siège, ça va là. Le ciseau, on met à côté. Et on a le bazar. Voilà. Donc, je crois qu'il y a deux sièges. Ouais, il y a deux sièges, effectivement. Le casque avec le nom de la marque. Et les petits rouleaux, donc voilà, dedans. C'est tout le bazar. On va commencer d'abord par monter le casque. Car c'est ce qu'il y a de plus simple à monter. Hop, et comme ça, on est à peu près. Voilà. Donc, le personnage Porsche, voilà. Donc, comme on va pas monter, on va mettre ça de côté. Parce que ça, c'est fait. Et voilà. Bon, du coup, ça, on va mettre à côté, on montrera au fur et à mesure. Donc là, on a la coupe et le bazar. J'ai fait un trou énorme. C'est pas grave, ça va partir à la poubelle. Voilà. Donc là, on a encore d'autres choses. On va mettre de côté encore une fois. Alors ça doit aller dans les coups. Voilà. On verra au fur et à mesure. Et il y aura une autre vidéo qui se fera avec. Mais alors, du coup, j'ai bien regardé pour la prochaine vidéo de dimanche. Ça sera le 9920, 9220, je crois. Alors, par contre. Ah, je vais encore bouger. Voilà.
ça va être mal rond, et ça, c'est pour mettre au-dessus de ça. Voilà, comme ça. On va mettre de côté ça. Alors, par contre, il n'y a pas d'autocollant mis. L'ordinateur, il n'est même pas fait, donc j'en ai deux des ordinateurs, là. Ah oui! En fait, il y a pour le circuit où on est à peu près. Après, il y a d'autres bazars. Donc ça, on verra ce que c'est plus tard. Ça, c'est pour l'aileron. On fait gaffe. Voilà, on va mettre un planche ici pour voir ce que ça donne au début et après à la fin. Voilà. Donc ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, les pneus, ils sont déjà construits normalement parce que sinon, on peut pas les faire. Voilà. Boum badaboum. Kaboum. Voilà. Ça fait kaboum. Bon. Oh non, ça fait kaboum, ça fait kaboum. On va chercher ça après, plus tard. Ça fait boum boum. Voilà, j'avais prévu ça. Hop, on va mettre de côté. On va monter ça. Voilà. On va monter un pneu pour vous, pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, il y a 8 pneus. Donc, il y a 8 bitounios comme ça. Par exemple, ah non, il y en a 4. 4 pour les pneus, c'est tout. Après, je ne sais pas si c'est une roue de secours. Voilà, donc ça, c'est 4 pneus. Et les autres 4 pneus de secours, ils seront bah, sur les strates que vous voyez là. Et oui, voilà. Donc, mon frère a pété, c'est pas grave. Avec tout ça. Non. Oh, désolé, petit frère. C'est comme ça, la vie. Bon, voilà. C'est... bah, c'est pas facile hein, de faire des vidéos. Parce que si vous voulez en faire ou vous avez une chaîne, vous me mettez, je m'abonnerai à vous. Voilà. Donc on va ouvrir ça proprement parce que là je suis en train d'ouvrir ça comme une caca. Merde. Pardon pour le. Voilà, on a familier. Ouh. Donc là on a plein de bordel. Encore une fois, c'est du bazar. Bon alors par contre ça a pas l'air si long de monter ça, donc on va pas parler trop vite. On a des espèces d'anneaux rouges. Ah oui, je sais avec quoi ça va. Je crois que c'est un truc. Ouais, on verra ça plus tard. Donc, on a un petit catalogue 2018, mais en version miniature. Donc voilà, j'ouvre pile comme ça, au pif. Si vous regardez. Et je tombe sur la Porsche. Je suis champion. Bon. Je sais pas comment j'ai fait ça. On va mettre bah, là-bas, de l'autre côté. Mince, c'est pas grave. Bon, là on a des autocollants. Alors, par contre, les autos. Ouais. Ouais, mais on mettra un peu partout parce que, en fait, c'est à toi de choisir ta texture. Je suis en train de voir. Tu peux mettre. Enfin, je sais pas si c'est à toi. Ouais. Parce que ici, ils mettent là, mais je pense qu'on peut mettre ailleurs. Enfin, c'est des trucs. Enfin, c'est des petits défauts, on va dire. Mais c'est sympa quand même après. Et voilà. Alors ça, il y a un autocollant, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Bon voilà, on verra plus tard, donc on va tout monter. Et c'est parti avec la jolie... voilà, la jolie page d'accueil. Alors, ouh, bah ça commence bien. Bon, en fait, il en faut juste 3. Bon, alors d'abord, on va commencer par les piles, parce que les piles, c'est ce qu'ils me demandent de faire. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus long. Voilà, bon, on va ouvrir ça, je sais jamais quand. Voilà, normalement j'ai les piles qu'il faut, on verra après. Normalement c'est des piles qu'il me faut. Alors on va mettre ça comme ça parce que sinon la bibi ça va s'enlever. Voilà, donc, ouh, j'ai ouvert ça. Bon, voilà, paquet fini. On va mettre ça, alors, que je n'engourde pas, voilà, c'est nickel. J'ai trouvé le sens des piles, ça c'est déjà une bonne chose, parce que sinon, si tu trouves pas le sens des piles, tu montes pas. Ah, par contre ça bug, ah non, c'est bon. C'est juste moi qui ai un peu de défaut là, parce que c'est pas si simple que ça. Comme vous l'aurez vu, ça va mettre beaucoup de temps à le faire, ça va mettre au moins un quart d'heure, je vous préviens. Vous avez droit de ne pas continuer jusqu'à la fin. Et voilà, nickel. On va voir si ça marche quand même, si c'est bon. Je peux pas vous dire. Faut d'abord monter dans la voiture. Bon, attendez, on va voir ça. Tranquille. Le moment instinct est venu. Alors, par contre,
Oh, galère à ouvrir. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est parce que j'ai mis dans le mauvais sens. Ouais, et bam, j'avais raison. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Comme d'hab. J'ai jamais trouvé le sens parfait. Alors, attendez, on va voir si les phares marchent d'abord. Parce que sinon, j'ai d'autres piles. J'ai deux piles différentes. Est-ce que ça marche? Attention. Non, c'est pas là. Je sais pas où j'ai mis mon tournevis. Attention. Alors, c'est le moment de vérité. Et ça marche pas. Super, c'est pas grave. Non, c'est ça pour rien. Je crois que j'ai mal appuyé. Oui. Je suis en train de faire des bêtises. Bon, voilà, j'ai deux paires de piles différentes. On va pas s'acharner dessus parce que c'est horrible à mettre. Alors, attendez, parce que des fois, c'est juste que c'est mal mis. Mais je pense pas, parce que j'avais peur d'avoir bien mis. Bon, c'est pas grave, il y a tout qui se démonte. Je suis en train de tout défoncer. Ah, ça y est! Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ah oui, c'est normal, je crois. Bon, désolé, on va passer un énorme bout de temps là-dessus. On va passer au reste, parce que là, je suis en train de galérer à l'infini. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est un énorme problème que je déteste toujours. Bon, alors là, on nous demande de faire les pneus. Donc, les pneus, c'est très simple. Il va falloir monter. Bah, en fait, faut juste monter ça. Je me casse les lunettes à chercher et il y a même des pneus de rechange, je crois. Alors, attendez. On va monter ça. Ouais, je crois que c'est bon. Bon, en fait, je sais pas si on peut, s'il y a une distance spéciale pour. Ah non, il n'y a pas de distance spéciale pour mettre les pneus. Voilà donc. Oh là 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 là. Quelle galère. Mais oui, en fait, j'ai l'impression que j'ai mal mis mes trucs à pile. Alors attendez, soit j'ai mal vissé ou soit c'est le truc. Ah yes. Attends, ça marche pas. Mais bah, ça marche pas. Les phares, ils marchent pas. Bon, c'est pas grave. On va laisser ça. Parce que sinon, on va passer la journée. On va enlever le même système parce que j'en ai marre. J'en ai marre. En plus, ça sent les froids. Bon, c'est pas grave. Ah si. Bon, bref. On va pas se casser les nattes. Voilà, il me dit de mettre ça. Mais moi, j'ai voulu avancer un peu le truc. Bon, le toit, il est mis. Je vois pas pourquoi il est mis. Bon, surtout que... Ouais. Oh là là, je sens que ça. Bon bah pam pam pam, tout ça, mais ça va être galère à monter. Alors attendez, parce qu'il y a trop de pièces, je suis perdu. Ouais, c'est bon. Alors, souhaitez-moi bonne chance et mettez-moi un pouce bleu pour tout ce que je souffre pour vous. Parce que là, oh là 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 là. J'aurais même pas dû faire cette vidéo là. Bon. Alors ça, à mon avis, ça se met comme ça, parce que je sais pas. Ça me paraît logique que ça se mette comme ça. Voilà, mode d'emploi. Ouais, mode d'emploi, fichu, mode d'emploi. Oh là là. Et mais vous devrez voir tout ce que je galère. Alors, on prend la torche. Ouais, yes, j'ai réussi à enlever. Bon, on met ça à côté. Bon, c'est pas grave. Alors, fallait mettre ça. Faut le mettre là, dans ce sens. Oh non, dans l'autre sens en plus. Oh là là. Ça se met mal. Oh. Mais c'est comment que ça se met ça? Incroyable. Je ne sais pas s'il y a un sens spécial. Sauf que c'est comme ça. Hein. Voilà, oh là là. Bon bah, mettez-moi un pouce bleu quand même, parce que là, ça me fera un grand plaisir. Parce que là, je suis en train de. Ah yes! Voilà, ça, j'ai eu le petit problème. Voilà, nickel. Et voilà, c'est les rétro. Je vous avais dit que ça viendrait à un moment ou à un autre, c'est ce que je déteste. Alors, voilà, je suis en train de tout déglinguer. On prend les petits rétro et les rétro visage. On va les mettre. Les rétro visage. Alors, ça, ça se met jamais. Voilà. Nickel, ça se met pas. Ah si, j'ai réussi, oui. Bon, alors si j'ai réussi, je réussis l'autre. Non, l'autre il veut pas.
Oh là 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 là. Oui, j'ai réussi. Super. Mettez-moi un gros like parce que là j'ai réussi un truc de fou. Bon, bah on va passer aux autocollants parce qu'ils mettent de faire les autocollants. Alors, vous voyez que je commence par quoi? Moi je pars pour la marque Adidas sur l'aileron. D'abord, l'aileron il est là. Nickel. Alléluia. Voilà, celui-là. Et voilà. Alors, attendez, je vais essayer de bien filmer quand même. Et hop, allez, je suis un champion pour mettre ça. Les autocollants, ça a toujours été ma passion, je ne sais pas pourquoi. Alors, Adidas, il y a même ne pas recopier la marque. Incroyable, une vraie marque, hein, Adidas. Bon, voilà. Si vous regardez... Ah bah vous, c'est tout flou. Ici, juste devant mon pouce, il y a le petit rond. Ne pas recopier la marque. Donc, voilà, on va mettre ça là. Parce qu'ils me mettent de mettre cet autocollant. Et on va mettre l'autocollant Instant Vérité. Et ça va rendre stylé. Alors, là, il est mal mis. Bon, attendez. Je vais redécoller et pour refaire parce que j'ai mal mis le truc. Alors attendez, instant de vérité, est-ce que ça va pas déchirer? Nickel. Tadam, j'ai réussi. Oui. Bon voilà, vous me mettez un gros like s'il vous plaît. Je vous assure que j'ai envie d'un pouce bleu. Je galère tant pour vous, mes petits adorés. Voilà. Oh là 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 là, la galère. Alors ça se monte dans quel sens? Ça se monte comme ça. Nickel. Ouais. Ok. Stylé. Alors, par contre, l'aileron, il se met mal de chez mal. Oh, un fou. Un truc de fou. Alors, ça se met sur le coffre. Mais le coffre, je vois pas comment on peut le mettre sur le coffre. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai compris, mon petit aileron, c'est pas un aileron spécialement. En fait, c'est pour mettre... L'aileron juste en dessous, alors que je mette pas dans le mauvais sens. Oh, je crois que j'ai mis dans le mauvais sens. Oh, purée. Bon, je l'avais bien dit, il y aurait une catastrophe de mettre dans le mauvais sens le autocollant. Bon, alors, le petit autocollant. Bien joli, bien gentil. Et je te prie que tu te décolles par ce. Oh, voilà, je vous avais dit que ça serait un miracle si j'arrive parce que j'ai mis l'autocollant à l'envers. Alors attends, parce que si c'est bon sens, que je ne bouge pas. On va d'abord mettre ça. Ouais, c'est bon, nickel. Bon, j'ai... Ouais, voilà. Vous pouvez pas voir, moi je peux voir, car tout simplement, il faut galérer pour réussir. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Voilà. Super, nickel. La voiture que j'adore à monter, c'est trop pas top. Je pense qu'il n'y a pas de limitation. En fait, j'avais mis dans le bon sens, je crois. Non, j'avais pas mis dans le bon sens. Ouais. Il y a mon frère qui me dit qu'il y a des trucs stylés. C'est vraiment vrai, par contre. Alors, ouais. Voilà. Donc, là, j'ai mis l'aileron arrière. Normalement, on voit en plus. C'est parce que c'est mal mis. C'est tout. Voilà, on va mettre le devant quand même parce que le devant c'est le plus important pour moi. J'insiste vraiment à mettre ça. Ouh. Bon, voilà. Ça, c'est mis. Bon, maintenant il faut mettre les autocollants. Bon, les autocollants. Oh là. Non, petit autocollant. Oh, il s'est même pas décollé le autocollant. Oh là là. Oh mon gars. Oh, le truc qui casse. Oh, attends. Ah non, c'est le truc qui tient qui s'est décollé. C'est pas mon autocollant qui s'est cassé. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Voilà. J'ai mis un côté. On va faire l'autre côté pour ça. Sinon, je sens que ça va déconner. Alors, attends. Voilà. Super, on a mis le devant. Alors là, maintenant, il faut mettre le logo Porsche devant. J'aimerais trop que ça rende stylé. Pour vous, alors, du coup, pour ça, pour vous, on va faire un truc, on va le mettre comme ça.
Alors, on va bien mettre dans le coin parce que c'est bien comme ça qu'on met. Voilà. Ah, la poche est nickel là. Alors, derrière, c'est le 18. Alors, moi, je viens de décoller le 18. Ah oui, alors, c'est pas là-dessus, c'est sur ça. Donc, le 18, il est là, comme autocollant. Le chat, il miaule. Logique, je comprends sa colère. Alors, voilà. La vitre, c'est comme... Mamie. Ouais, on va mettre dans l'autre sens. Je préfère ne pas faire de bêtises, c'est pour ça que je vous montre pas. Parce que sinon. Oh, voilà le désastre qui est fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres autocollants? Je crois que c'est bon, j'ai mis ce qu'il y avait à mettre. Bon, voilà déjà la voiture, elle est stylée là. Elle est ultra belle. Alors, par contre, comme c'est dur à mettre ça. Voilà, je vous montre un petit peu rapide. Alors attendez, parce qu'il y a un autocollant que je vais encore devoir que j'ai mal mis. Ça fait une énorme bosse. Bon. Oh, c'est sur pare-brise en plus. Bon, je corrigerai ça plus tard. Voilà. Tout simplement, c'est mis le gros bouton sur la tête. Voilà, j'ai mis ça. Du coup, bon, c'est bien tranquille pour l'instant. Alors là, il me demande de mettre les pneus. Donc les pneus, on va prendre 8 déjà parce qu'il est un peu mis. Parce que c'est un nénette non plus. On va mettre 8. Mais alors par contre, les couleurs, je ne sais pas quoi ça sert. Il y a des couleurs, mais les couleurs, pour moi, ça sert à rien. Enfin. Ah oui, c'est bon, c'est un truc de rechange. Ah, nickel. Oh, je m'arrive. Ah mince, je vais venir l'envers. Désolé, les mecs. Oh, les filles. Les femmes, ouais. Alors, attendez, parce que... Oh, là, là. Je souffre. Je souffre. Mettez-moi un gros like, s'il vous plaît. Et abonnez-vous, parce que là, je suis en train de souffrir. Et on va mettre les petits pneus, parce que les petits pneus, ils nous aiment bien. Ah oui, en fait, sinon, ça tient pas sans les trucs. Allez. Blam. Bon, voilà, on va mettre un clic-clic tout de suite, parce que les clics-clics, c'est ça qui va nous aider à faire tenir les pneus. Donc encore galérer, je sens bien. Ah, ça c'est comme des vis, je connais ce truc. En fait, faut visser. On va faire du bricolage. Super, je suis trop content. On va faire du bricolage. Oui, serre-toi bien petit pneu. Voilà, c'est bien petit pneu. Je crois que j'ai un peu mal vissé, c'est pas grave, du moment que ça tient. Mince, j'ai enlevé le pneu. Désolé, alors attendez, c'est bon. J'ai pigé, on fait du bricolage avec ces petits pneus. Donc, je vais mettre ça. Alors attendez, c'est en train de mal se mettre. En fait, il y a une logique pour faire tourner, mais comme c'est pour les mains Playmobil, c'est taillé pour les Playmobil le truc. Alors, moi je fais à la main, c'est pas simple. On fait de l'autre côté, vous êtes prêts, les petits adorés? Je suis en train de voir, il y a des pneus différents. Et moi j'ai mis les mauvais pneus. Ça c'est les pneus de course. Voilà tout simplement. Ça c'est les pneus pour rouler. On va mettre les pneus pour rouler parce que... Ah non, attendez. Ouais, et un pneu bizarre. Alors attendez parce que j'ai des pneus bizarres moi. Mais je comprends pas. Oh, ah oui, il y a un. Il y a 4 pneus normalement comme ça. Ben, il y a un problème. Bon, attendez, je crois que j'en ai fait un tomber un par là. Ouais. Bon, tant pis, on va mettre ce qu'on a là et puis on verra plus tard dans cela. J'ai retrouvé. Oui, enfin, c'est mon frère qui l'a retrouvé. Oui, bravo, mon petit frère. Voilà, en fait, il y a des pneus différents. Donc, il y a des pneus. Je me suis bien défoncé les pneus. Voilà, les pneus différents. Alors, il faut faire super gaffe. Il y a un lisse pour la course, un autre pour la route. Et c'est ça ce qui est le plus pénible. Alors là, ils me disent de mettre les pneus lisses. Moi, je vais mettre les autres pneus parce que les pneus lisses, c'est pas mon truc, on va dire. Les pneus de course, c'est ce que j'aime bien, on va dire. Donc là, j'avais travaillé ça il y a pas longtemps avec mon papy. Là, les pneus, les tout ça parce que... Wouhou ! Merci, Joe. Merci, moi, je suis pas... Oh là là.
Ouais, moi je crois pas en Dieu, mais je dis Dieu merci quand même, c'est pas grave. Et le miracle, je suis en train de faire un truc, un exploit. Alors, attendez, on va faire du premier coup si j'arrive. Nickel, premier coup. Et voilà, la voiture elle roule. Alors, côté bleu, c'est stylé. Alors, et côté rouge, c'est moche. Donc en fait, là, la grosse différence, c'est que c'est rouge là et bleu là, j'inverserai plus tard. Enfin, après, il n'y a pas trop de sens, c'est ça aussi le problème. Voilà, donc, il faut pas que je perde surtout ce petit bitounio, parce que sinon, je vais jamais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et c'est parti, on part avec ça. Donc, mince, j'ai fait tomber un truc. Voilà, on part avec ça et ça. C'est un énorme clavier, on va dire. Bon, alors, par contre, on va faire un truc. Ouais, derrière, en fait, il y a un énorme autocollant. Bon, bref. Alors, que je me gouffe pas, perso. 10, c'est lui. On va mettre 10 là, perso. Ouais, attends. On va faire un truc, on va prendre celui du haut, oh, parce que comme ça, je suis plus rassurée. Sinon, je panique grave. Alors, là, mettre ça comme ça. Et à un moment... Alors, ça, ça va là. Hop, bravo mon petit gars. Je suis en train de réussir. Bravo mes Red Lardis. Alors, là par contre, ils me disent de mettre comme ça. Mais moi, j'aimerais bien faire comme sur le panneau de l'autre côté. On va écouter ce qu'ils me demandent de faire parce que sinon je sens encore la catastrophe et j'ai pas envie de faire foirer la vidéo. Voilà. Donc là on en est déjà à une demi-heure. Alors on va essayer de se dépêcher un peu. Voilà, nickel. Hop, je me dépêche pour vous car une demi-heure c'est super long déjà. Voilà. Nickel. J'aurais jamais fait une vidéo sinon. Alors merci si vous regardez jusqu'au bout. Si vous regardez pas jusqu'au bout, je suis aussi content parce que c'est vrai, ça va être très long à faire. 9h11, 27 degrés. Nickel, et ben. Alors, attendez. Il y a des petits autocollants. Alors, voilà. On va mettre un gros like pour ce que je fais là. Oh là 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 là, je suis en train de me dépêcher pour vous. Alors, ça c'est lui. Voilà, nickel, il en reste un seul à mettre. En plus, là j'ai pigé la technique, donc. La technique elle marche bien. Voilà. En fait, j'aurais pas dû prendre ça parce que. C'est long à monter. Ouais. Alors, là. Voilà. Voilà, je vous ai un peu fait la tour en accéléré. Donc on va passer au derrière, parce qu'il y a un derrière aussi à monter. Il y a même le toit aussi à monter. En fait, il y a plein de choses à faire. C'est pas si simple qu'on le pense qu'on achète la boîte. Alors là, c'est un énorme autocollant. Ici, tu vois, ça se voit ultra bien. Je crois que c'est bon. C'est bon, hein. Enfin, je sais pas si vous en pensez, mais pour moi, c'est bon. Voilà, donc ils ont fait aussi une vidéo sur cette voiture pour la sortie de ça, mais je sais plus. En fait, c'est une sorte de course, et en fait, il y a la vraie Porsche comme ça, et il y a la Playmobil qui sont côte à côte. Alors, du coup, c'est super sympa ce qu'ils ont fait comme intro, mais c'est pour présenter cette Porsche normalement, mais sauf qu'après, il y a eu l'autre bande-annonce. Pour sa sortie, ils ont pas mis celle de course parce qu'elle était beaucoup plus longue que celle-là. Je pense que c'était vraiment pour la marque Porsche qu'il avait fait. Et du coup, ça, je peux le savoir parce que j'ai regardé un peu sur YouTube. Donc le prix, normalement, déjà, c'est 59 euros. Mais moi, j'en ai eu pour 39 euros, 20 euros moins cher. Je suis content. Je crois que j'en ai un truc bizarre, mais... Il y a plein de choses bizarres parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça de construction. Alors du coup, il y a plein de petits pneus, de montres, enfin, c'est un peu bizarre on va dire. Si vous avez construit en vidéo, franchement,
franchement, dites-moi votre délire, parce que comme si vous avez galéré ou non pour cela, c'est une horreur. Des petits trucs, j'ai pas envie de... Oh là 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 là, j'ai pas envie de casser les choses, mais ça, je crois que t'as pas le choix des fois. Ah bon, on est parti pour encore du temps à faire. Et voilà. Bon, alors il y a plein de petits pneus, mais je vois pas trop à quoi ça sert avec tous les autres petits pneus. Bon, on verra, parce que en fait, le mode d'emploi il est super petit. Avant c'était long, mais maintenant c'est super petit. C'est des longs trucs à faire, alors. Moi qui n'aime pas trop monter les pneus mobiles. Oh là, je suis en train de les monter. Je suis un peu fière de ce que je fais parce que j'aime pas monter, mais je fais souvent les montages des Playmobil. Tous les Playmobil que je vous ai filmés, je les monte, mais alors j'aime pas monter du tout. Mais quand c'est fait, oh, c'est super chouette, ça tourne. Regardez. Sauf que ça tourne bizarrement. Alors, là, je crois qu'il y a un sens, ouais. Je sais pas si ça rentre. Ouais, ça rentre. Parce que, en fait, il y a des sens un peu spéciaux. Et comme c'est dur à monter, et sur mode d'emploi en plus, ça montre pas pareil de ce qu'il y a sur la photo. Alors, c'est un peu. Enfin, c'est un peu bizarre. Voilà. Alors, il m'a pas demandé de mettre des autocollants. J'ai juste de faire gaffe. Donc, il y a des énormes claviers blancs. Et les claviers blancs, c'est ça. En fait, j'aurais dû monter avant parce que du coup, là, je peux pas monter. Ça aide pas. Je sais pas où vous, c'est pas grave. Puisque ça, c'est juste au stand. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste à part. Après, le stand, c'est sûr, c'est sympa aussi. Parce qu'il est stylé. Alors, par contre, moi, je vais éviter de faire des bêtises. Et voilà. Nickel. Entre les piles qui marchent pas, le reste qui est un peu chelou, ouais. Limite, c'est pas une vidéo top, top, top. Alors, on va éviter de perdre les choses. Voilà. On va laisser là. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, il y a un petit bitounio noir qui se met, bien sûr, bah, là où il fallait pas que ça soit. Hop, les. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas deux parce que là, sinon, j'en ai perdu un. Voilà, on va mettre drapeau poche. Poche. Nickel. Alors, ça, c'est bien mis. Et bon, le logo poche, du coup, bah, c'est un peu logique à mettre. Enfin, pour moi, c'est logique, puisque c'est l'autocollant 16 des deux côtés. Donc, alors, par contre, on va commencer du côté. On va pas commencer du côté du coton, on va commencer de l'autre côté. C'est plus simple, généralement, de ce côté. Alors, je marmonne un petit peu, c'est normal, c'est pour ça que je suis un peu en train de Bon. Là, je suis un peu en train de galérer. D'accord, super. Mon frère vient de finir sa boîte de Lego. Et moi, bah, j'en suis toujours au début. J'ai commencé longtemps avant lui, mais alors, par contre, j'ai fini longtemps après lui. Lego, normalement, ça se monte super... lentement, lui il monte super vite parce que c'est sa passion, tout simplement. Bon, ma passion, c'est les plus mobiles. Voilà. Nickel. Alors, par contre, je crois que ça se tire bien. Et ouais. Bon, on va faire comme ça. Alors, on va faire comme ils nous le disent sur le mode d'emploi. Ouais, faut le tenir là. Super. Ça veut pas. Ça veut... Quand ça. Alors, attendez, là il y a un petit problème. Quand ça veut pas, je viens de pousser, calmez là. Voilà, ça veut pas, et ça veut, voilà, du coup c'est fait. On a un bout du stand. Et nickel, voilà. Ça c'est ce que j'appelle du bon travail. Enfin du bon travail. Du bon travail, ça n'existe pas, désolé pour le gros spectacle. Mon frère vient de sortir, je ne sais pas. Oh là 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 là, j'ai l'impression d'être dans un rêve extra bizarre. Je monte en l'air. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça parce que ça se démonte super simplement le truc à pneus. Et on a deux en plus. Enfin, c'est avantage, c'est que tu peux plus te tromper. Tu te trompes à un moment et au dernier, tu te trompes plus. En fait, j'avais raison, pourquoi. Oh là. Bon, attendez, j'ai mis dans le bon sens et j'ai tout dézingué.
Et ben alors là, franchement, j'espère que je vais avoir un gros like pour cela. Je suis en train de perdre toute ma vie, c'est la fin du monde de ce que je suis en train de faire. En plus, je vais peut-être même pas la publier la vidéo parce que là, c'est une horreur. Si vous la voyez, c'est logique. Puisque bah, je l'ai postée. Mais je comprends pas en fait, il y a. Oh là 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 là, j'ai encore raté. Mais en plus, j'ai changé de sens pour être sûr, mais. Ça saoule. Alors attendez, ouais, c'est bon, c'est le bon sens. Oui, allez. Bon débat. Mettez-moi un gros like, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de gros like, vous irez dans le ventre de mon chat. Ou c'est du chien, parce que j'ai un chien. Tout bêtement. Voilà. C'est simple à faire. Oh là là. Enfin, je dis que c'est simple parce que ça, c'est les trucs les plus logiques. Mais alors, le reste, je dis que c'est pas simple. Nickel. Bon, bah maintenant, il n'y a plus que ranger les pneus inverse que on m'a demandé de mettre des pneus que j'ai mis les autres. Voilà. Pour contre, j'ai un problème. J'ai un truc. Je sais pas si c'est le rechange ou si c'est moi qui ai raté. Ouais, non. Il y a plein de trucs bizarres. Non, je pense que c'est un pneu qui doit être de secours, qui doit aller dans le bazar. Alors, ils me disent que les quatre pneus tiennent. Bon, moi, je suis pote. Ouais, ça tient. C'est fait pour aussi. Ouais, moi, on va mettre comme sur l'image. Ça fait plus stylé. C'est pas les mêmes pneus, c'est pour ça que ça rend pas stylé. Mais pourtant, c'est vrai, pneus de course qui les utilisent. Donc, en fait, là, je suis en train de voir qu'il y a des pièces de rechange. Donc, la jante. Adieu. Et bah, un truc de pneu. Je vais quand même les ramasser pour que je vais tout perdre. Voilà. Nickel. Bon. On va mettre de l'autre côté aussi. Comme d'hab. Voilà les personnages. On les attaque. Donc là, ça va être toutes les petites pièces à monter. Ça va être sympa à faire. Ça, alors, du coup, on prend. Le pilote Frankenstein, non, on va pas dire que c'est Frankenstein, on va dire que c'est Vettel qui s'est teinté les cheveux en marron. Alors, c'est dans l'autre sens. Il y a un truc qui vient de nous faire gaffe. Le coach, il porte le truc du pilote et c'est coach. What? Trop content. Ah non, bah je sais pas. Regardez, ils mettent ça. Bon. Ah non, c'est juste moi qui m'a mis, j'allais dire, ça fait une espèce d'écharpe. Mais ça, normalement, c'est pour le pilote. Je sais pas, c'est un peu bizarre, on va laisser tomber cette affaire. Oh. Ouh, attends. Ouais, c'est comme ça, nickel. Ouh. Oh là là, mais ça veut pas rentrer. Ah si. Alors, j'ai un truc qui dépasse, qui est pas censé être dessus, je vais l'arracher. Je vais me servir du ciseau magique parce que le ciseau magique il coupe tout. On va juste faire attention de pas casser le bidule truc là. Alors attendez, le bidule truc. Le micro, ça s'appelle. Je suis en train de le couper. Bon, on va laisser comme c'est. Donc, on me dit de mettre ça sur le pilote. Mais sauf que. Sur le pilote, lui il a déjà un micro. C'est ça que je comprends pas. Oh là 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 là, en fait il a double micro. Aïe 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 aïe. Ah oui, en fait c'est pour parler plus fort, je pense. Enfin, je sais pas. J'ai mis sur l'autre micro. Parce que là, ici il y a un micro, vous voyez. Il y a un autre micro. Mais alors, du coup, comme ils mettent de mettre lui, c'est pour ça que je me pose la question aussi. Parce que là, ça fait pareil, mais sauf qu'il a pas de truc du coup. Puisque ce qui va au cou, normalement, c'est pour le pilote, c'est un protège-cou, normalement. Bon, hein, on va l'enlever. Parce qu'on verra après, peut-être. Parce que. C'est mal expliqué, les Playmobil en général. Enfin, en général, c'est bien expliqué, mais là, c'est un peu. C'est un peu bordel. Hein. Voilà, bon. Hein. Comme les deux ordis sont pareils, on va pas se casser la nénette. Ouais, les deux ordis sont pareils, on va pas se casser la nénette. Et le stand Porsche est bientôt fini, donc on fera la vidéo sur ça. Bah, si vous voulez,
On peut la faire après la vidéo police parce que du coup j'avais pas d'idée de vidéo à faire, mais alors du coup là ça m'a donné une idée maintenant que j'ai ça. Ouais, on va faire comme ça, voilà, nickel. Alors par contre du coup là le clavier il est à l'envers. Par contre les claviers faut toujours faire gaffe, les mettre dans ce sens. Alors qu'en fait, le clavier, enfin le clavier espace, il est au-dessus. Donc vous voyez un petit peu des trucs noirs bizarres. En fait, le clavier en général, il est inversé. Donc faut faire ultra gaffe parce que la touche Enter, du coup, elle est à l'envers. C'est pour ça que je vous dis de faire gaffe. Enfin, comme ça, vous saurez pour la prochaine fois parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Nickel. Oui, il fait le vrai ordinateur. Et voilà, je suis content. Je pars dans les délires. Ouais, je suis en train de regarder quand même après parce que comme ça pour. Hop, j'allais faire l'erreur encore. Enfin, l'erreur que j'ai jamais faite, mais que j'ai toujours fait gaffe qu'il y avait une erreur. Soit c'est moi qui. Non, je pense pas que je tienne mon mode d'emploi. Enfin. Le truc à autocollant, il a pas l'air d'être en vert. Donc là, il y a ma famille qui est en train de prendre l'apéritif et a envie de le prendre. Bon. Ouais, on va prendre ça. Et du coup. Alors attendez. Moi, je vais faire quoi, monsieur? Ouais. Mais en fait, ouais. On va faire comme sur le mode d'emploi. Enfin, comme sur la. Il dit parce que. Attends, là, j'ai pris l'autocollant. Autocollant 4, pardon. Et il se met dans ce sens. Voilà, si je mets à l'envers, ça va pas faire. Donc moi, je vais le mettre dans le sens du Playmobil parce que c'est écrit Playmobil sur le truc. Et moi, j'ai envie de le mettre dans le même sens. Et du coup, et ben, c'est dans le. Ouais, en fait, on va faire gaffe parce que. Sinon, il y a un moment où ça sera à l'envers. Donc là, c'est go. Oh, voilà. J'avais dit qu'il y avait. Ah non, en fait, il n'y a pas d'erreur. C'est juste moi qui. Oh, ouais. Je suis moyen rassuré là. Je sens mal le coup en douce. Voilà, donc le panneau go, il n'était pas dans l'autre sens. Mais. Si, c'est un peu bizarre. Hein. Bon, hein, on va laisser comme ça. Donc là, c'est go. Et là, ça fait. Enfin, ouais. Là, c'est. Ouais, en fait. Là, c'est go. Mais pour la vue, les gens, eux, de l'autre côté, ils voient ça. Donc, vous, quand vous voyez comme ça, de l'autre côté, c'est écrit stop. Voilà. Donc, c'est un peu logique, ouais. Bon, moi, j'ai mis à l'envers. Parce que là, la voiture, elle est en train de rouler. Et ils mettent stop. Regardez le gros défaut. L'autre côté c'est go, alors que ça devrait être go comme là, dans l'autre sens. Et là c'est stop. Alors du coup, comme c'est stop de l'autre côté et que la voiture elle roule, et ben il y a un problème. Ça, je pense que vous avez jamais fait gaffe. Alors dites-moi dans les commentaires parce que là, oh là là, je suis en train de tout déglinguer. On en est déjà à presque 1 heure. Oh, désolé pour mes chers. Enfin, pour mes chers. Ouais, vous êtes un peu mes vuteurs. Ouais, on va inventer un mot, on va dire que vous êtes mes voyants. Voilà. Donc, désolé mes petits voyants. Parce que du coup, c'est la vidéo qui est un peu foirée. Parce que si, c'est un peu dur, on va dire. Bon, le bon côté, c'est que au moins je fais ça pour vous. Le mauvais côté, c'est que bah c'est dur à monter donc. Voilà, je sais pas si vous pouvez le comprendre. Peut-être vous n'avez pas galéré, mais moi comme je galère, bah c'est sûr, c'est pas top. Et en plus, la vidéo là, elle est super longue. Moi, j'ai envie de jouer avec autre chose parce que 1 heure à parler comme là, je fais, c'est horrible. Alors, ça, ouais, on va mettre ça là pour qu'ils mettent ça, enfin, ils mettent ça par terre, mais comme c'est un peu galère,
On va laisser ça tomber. Alors là, on va encore ouvrir notre boîte. Et en fait, les autocollants qu'on peut mettre tranquille, et ben, sont à côté de nous. Alors, on va mettre un plastique là. En fait, la boîte à pile, je pense que... Ouais, on va garder la boîte à pile parce que les piles, elles ont l'air un peu buggées, je pense. Ça, ça se met comment? Ouais, ça se met comme ça, normalement. Nickel! Bah franchement, chapeau, j'ai réussi. Et je pensais pas que c'était dans ce sens. Et pourtant, eh ben si. Et en fait, je suis en train de monter n'importe comment. Ah non, je suis pas en train de monter n'importe comment. Alors, là, on va passer à la plus petite partie et la plus dure. Les trucs, faut pas les perdre. Ça fait 0, ça fait à peine 5 mm. Alors franchement, faites gaffe quand vous allez acheter la boîte si vous l'avez pas. C'est horrible. Faut pas les perdre. Je sais pas si vous, ceux qui ont fait une vidéo là-dessus, ils les ont perdus. Si vous la regardez maintenant, dites-le moi parce que là, en commentaire, parce que là, c'est collé. Alors attendez, parce que c'est collé. Il faisait chaud dans la voiture et du coup, c'est un peu collé. Attendez, on va mettre ça là. Je suis en train de... Voilà. Deux, un. Deux, deux. Le truc mi égale 2 pouces bleus. Voilà. Ça, comme ça. Voilà. Enfin, vous pouvez pas mettre 2 pouces bleus normalement. Enfin, je sais pas. Si c'est possible, moi, j'ai toujours réussi à mettre un seul pouce bleu. Sinon, ça désactive. Et 3 pouces bleus. Et 4 qui... Le quatrième qui va venir, c'est bon, le pack est fini. Le quatrième que je vais mettre devant vos yeux. Et ben, j'arrive pas. Donc, ah si, 4 pouces bleus. Si vous les mettez, c'est gentil. Si vous les mettez pas, si vous êtes des grosses brutes. Non, on va pas dire ça, c'est violent. Enfin, c'est méchant en plus. La police, ils peuvent me chasser en faisant ça. Donc là, il y a un jeu dans le passage que mon frère a acheté, Spider-Man. Et Spider-Man 3D Banane. Voilà. Un autre à ma gauche. Oh non. Bon, voilà, j'ai lancé comme une patate. Alors, on va vider tout ça. Parce que j'ai envie de vider. Alors, il y a des autocollants qui ont pas... été mis. Attendez, parce que je crois que j'ai un droit. Mais. Des moments, ils m'ont pas dit de mettre des. Ah oui, pardon. Excusez-moi, j'ai pas mis les autocollants là, j'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait en mettre. Mais alors, approche-t-il, il est où? Bon, hein, on va tourner un petit peu les. Ouais, on va tourner un peu les pages après parce que. Limite, c'est pénible à monter. Alors, attendez. Les autocollants partout, on fait jamais gaffe. Mais en plus, ah ouais, ils le mettent, mais il faut le voir, c'est parce que c'est en rouge. Enfin, en fait, c'est un petit truc qui dépasse qui me dit ça, mais c'est pour ça que vous voyez qu'il y avait des autocollants. Et regardez sur mode, ils étaient déjà mis normalement. Voilà, je me suis déjà fait avoir avec un food truck. J'ai même pas si... Non, je l'ai pas tourné en vidéo. Faudrait que je le fasse. Bon, là, il y a côté pluie et côté soleil. Alors, si vous savez pourquoi côté pluie, côté soleil, dites-le moi pour ce jeu. Ah oui, Porsche Team, je sais où ça se met maintenant. Si les autocollants, là, ils se mettent bah, sur la boîte à roues, tout simplement, ça doit être sur l'autre machin. Et en plus, là, j'ai même pas fait gaffe. Alors, le plus amusant, c'était à Porsche quand il fallait la monter. Et maintenant, le moins amusant, c'est ça. Voilà, donc ça se mettait là, les petits autocollants. Donc voilà, excusez-moi. Alors, si moi j'ai déjà fait des championnats de course, ça arrive souvent ce genre d'incident. Donc, peut-être vous, ça vous l'a fait, cool, mais moi, ce genre d'incident, j'ai déjà vu des vraies courses. Bah, vers Orléans, pas loin, il y a une certaine course vers Bourges. Je sais pas si vous voyez où c'est Bourges, si vous êtes d'une autre nation, je ne sais pas, et que vous voyez cette vidéo, vous tapez Bourges, c'est en France, donc c'est une ville de France d'abord, donc vous allez taper Bourges, France. Et normalement, vous devrez voir,
Vous tapez circuit de course Bourges France. Normalement, vous devriez voir le. Bah, normalement, vous devriez voir le site. Alors, par contre, je sais pas si on peut faire des. Parce que moi, je ne suis pas monté dans des voitures de course, mais je crois qu'on peut réserver pour monter dans la voiture de course. Donc, pareil, il y a un circuit de course aussi, pas loin de Monaco. Alors, pour savoir la description, pardon, je sais qu'il y en a un, mais je suis jamais allé voir sur internet le site. Alors, après, peut-être Jamka lui serait parce qu'il y allait. Moi, j'y suis déjà allé, mais j'ai pas cherché le titre. Lui, il doit savoir. Je crois que c'est un stade. Enfin, je sais plus comment il s'appelle le terrain de course, mais. Faudrait que vous tapiez Jamka, c'est un autre youtubeur. Donc là, on en est à 1 heure précise. Ouais, précisément. Bref, donc je passe d'un sujet à un autre, c'est un peu normal, on va dire. Donc Jamka, lui, je pense qu'il vous pourrait vous renseigner. Pardon, parce que lui, il est allé à ce circuit de course et il est monté. Donc en fait, vous pouvez venir avec votre voiture et faire un peu le foufou sur le circuit. Par contre, faut réserver. Et moi, je suis en train de monter n'importe comment, parce que du coup, je vous explique. Donc voilà, lui, normalement, il est censé savoir. Je suis déjà allé sans chercher sur internet, donc après, peut-être on peut réserver, je sais pas, j'avais jamais demandé à mes parents quand on y est allé. Bref, il faudrait lui demander. Et sur dans les commentaires. Enfin, aussi, c'est mis dans la vidéo après. Dans la vidéo, ils le disent, il le dit, j'aime qu'à, c'est pour ça que je dis aussi de. Demandez-lui peut-être dans les commentaires. Alors, par contre, du coup, est-ce que j'ai bien mis? Ouais, j'ai bien mis le siège, donc voilà. Là, je suis un peu stressée. Hop, les. Donc, on va faire un peu les premières modifications si j'arrive. Perso, soit si t'es cosy, on peut faire des modifications, mais j'arrive pas à installer et à comprendre. Donc, voilà, tout ça. Tout bêtement. Alors, ouais, le casque, on va mettre ça. Ouais. On va faire un peu la réalisation. Par contre, moi j'ai un autre podium qui est presque le même. Enfin, c'est le même. Mais c'est pas le même. En fait, c'est avec des voitures de course Valvoline et Ella. C'était les anciennes voitures qui allaient avec la Porsche. Et normalement, s'il est avec. Donc. Je crois que j'ai un non, j'ai une sorte de toit bizarre. Oh, attends, je suis en train de découvrir un truc. Ah non. Ah non, c'est juste la page qui est un peu arrachée. Voilà, donc tout simplement, il y a les voitures Valvoline, c'est des voitures bah, Playmobil un peu. Enfin, c'est des voitures de course Valvoline Playmobil, donc là on a fini. Faut un peu ranger tout le bazar, donc voilà. Il y a des stickers qu'on n'a pas mis parce que je sais pas où ça se mettait. Alors attendez, je vais regarder le mode d'emploi. Il est là. Je vais quand même regarder. Alors attendez, le sticker de la fin, c'est là. Ouais, mais du coup, bah, j'ai eu des barrières avec. Donc, faudrait que vous tapiez sur internet, genre Playmobil voiture Valvoline, un truc comme ça, dans ce genre. Je pense qu'ils vous mettraient. Parce que vous tapez voiture de course Playmobil, ils peuvent trouver, mais sauf qu'il y en a plusieurs. Donc, comme il y en a plusieurs, bah, c'est un peu. Ouais, on va dire, c'est un peu. Voilà quoi, enfin. On peut pas trop savoir lesquels c'est, donc c'est des voitures jaunes. Alors attendez, parce que je les ai. Enfin, j'en ai. Ouais, j'en ai en bas, mais alors j'ai pas envie d'aller en bas parce que c'est pénible à descendre les escaliers. Surtout que là, je suis au premier déjà et encore le deuxième. Alors attendez. Est-ce qu'il y en a là? Ouais, je crois qu'il y en a une là-bas. Ouais, voilà. Donc, là, on a la vieille voiture. C'est pas la classique. Ça, c'est l'ancienne voiture qui est. Enfin, voiture. Et la nouvelle. Voilà, donc il y a une énorme différence de voiture. En plus, les autocollants, ils sont tout arrachés. Il y en a une, il y a tout. Oui, j'ai mis du scotch pour que ça tienne. Voilà, donc on va faire un peu la réalisation des piles. Perso, on va refaire les piles.
Mince, désolé, je viens de péter. Ouais, je viens de péter. Mais bon. Arrière. Donc voilà pour le. Pour bah oui. Voilà. Pour les. On va essayer pour les pieds encore une fois. Alors attendez. Dans ce sens, il est bizarre, généralement. Ouais, j'ai toujours pas fini. Et ça fait quoi? Oh là 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 là. Est-ce que ça marche? Mais non, ça marche pas. Bon, on va essayer un truc d'abord avant. Oh là là. Voilà. On va essayer de resserrer quand même parce que c'est un peu chelou que ça marche pas, surtout que les pieds sont neufs. Ouais, je sais que vous avez pris un apéritif. Voilà, on est en train de. Ouais, on est en train de le causer, voilà, tout simplement. Donc j'aurais dû prendre. Ouais, j'aurais dû prendre une pièce pour faire tourner ce truc là parce que ça, c'est un peu galère à faire tourner. Voilà, je suis en train de bousiller les. La boîte, enfin les trucs. Donc moi j'ai arrêté l'apéritif pour cette vidéo. Oh là là, j'aurais même pas dû la faire. Alors. Bon, faut une pièce ou un couteau, désolé, il n'y aura pas les phares pour cette vidéo, tout simplement. Car ça bug. Alors comme ça bug, je propose autre chose. C'est que bah. C'est qu'on va faire un truc, on va enlever les pieds et on va en mettre d'autres. Parce que les autres, normalement, c'est les bonnes, c'est les mêmes. Aïe aïe aïe. C'est les mêmes que celles demandées. Alors attendez, parce que je sais pas si. Moi j'ai pris des L3. Des LRO3AA 5V, parce que c'est celles que j'utilise dans les autres Porsche. Alors, si par contre, celles-là, c'est pas les mêmes. J'ai pas d'idée. Ouais, ouais. Ouais, on va utiliser les autres parce que elles ont pas l'air de marcher bien. Désolé les amis, donc là faut que je mange. Les abonnés. Alors, pour les abonnés, vous pouvez voir toutes les vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faudrait s'abonner. Alors, je crois que c'est un problème de montage que j'ai fait d'un coup. Ouais. Au-delà de la douleur, j'ai rien laissé avec une croix. Voilà. Bon, on va enlever ça, les pipines. Et bah, du coup, bah, on va dire que c'est la fin de cette vidéo parce que là, ça bug un petit peu. Et voilà, j'ai enlevé les pipines. Voilà, comme ça bug un petit peu, désolé. La vidéo est un peu foirée. Donc, bah, on va mettre ça là. Et on va mettre les autres. Voilà, tout simplement, ça va être une fin de vidéo. Dans pas longtemps, je vais devoir vous quitter après une heure de montage. Désolé. Alors, franchement, ça, ça aura été ma plus longue vidéo. Ça fait une heure. Oh là là. Et désolé, mes petits abonnés, pour cela. Et mes, aussi les voyants. Oui, j'arrive. Voilà. Donc ça c'est la pile qui va avec normalement l'habituel. Alors j'étais en train de chercher je ne sais pas où. Donc là on m'appelle tout simplement encore faut que j'aille manger. Et ça va être une fin de vidéo. Je mets juste les piles pour vous faire plaisir. Et ça sera une fin de vidéo. Donc alors on va faire un truc pour pas que. Parce que là du coup l'autre boîte elle est ouverte. De piles. Alors on va mettre les autres piles dans la vieille boîte, enfin dans la boîte là du pile que je mets. Donc j'ai mis celle-là comme pile et là ça va être celle-là. Donc là le reste doit marcher. Normalement pour ça c'est des vraies piles. Voilà, j'ai mis les piles là où il fallait normalement. Voilà. Super mes petits abonnés. Voilà comme ça je peux mettre ça à la poubelle. Et on va faire ça pour la fin de vidéo. Pour vous faire plaisir. Et là, ça va être le grand mérite, le grand moment de vérité, parce que si les deux n'ont pas marché, franchement, je ne saurais pas quoi vous dire, et j'essaierai tout pour que ça marche pour la deuxième vidéo qui viendra après. Voilà, donc là, il va falloir recharger la batterie, parce qu'elle ne marche plus trop bien, là, il n'y a plus de batterie du tout. Voilà, donc. Allez, est-ce que ça marche?
Non, bah désolé, ça ne marche pas. Et c'est une fin de vidéo alors avec la vidéo la plus longue. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous. C'était Mère Eladis en direct.